Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment lettrer un compte client ou fournisseur. Lettrer, qu'est-ce que le lettrage? Le lettrage, c'est faire le rapprochement entre les factures d'achat ou de vente et les paiements ou les encaissements. Donc sur le logiciel, on va dans consultation lettrage et encore consultation lettrage. Donc ce qu'on lettre, c'est les comptes clients et les comptes fournisseurs. En tout cas, de façon générale, les comptes de tiers. Donc là, on a un compte 401 Agence Cloque et on voit bien qu'on a la facture d'achat pour 2400 et le paiement donc pour 2400. Donc on coche les deux, donc la facture d'achat et le paiement, et on met lettré. Donc il va nous proposer un code lettrage, on valide et le compte est lettré. Alors l'intérêt, c'est après, quand on va sur les lettrages, de prendre que les lignes qui sont non lettrées. Et là, dans notre compte Agence Cloque, on n'a plus rien. Voilà. Merci beaucoup.